rendu de la 40e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 11 février 2022 par visioconférence la 40e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Et enfin 5. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la réhabilitation du mausolée du feu premier président de la République, Joseph Kasavubu. Au regard de la dégradation continue du mausolée du premier président de notre République, Joseph Kasavubu, localisé à 17 km de la cité de Tchela, précisément dans le village Lukambambemba en province du Congo central, le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, en collaboration avec le gouverneur intérimaire de la province du Congo central, de réaliser les travaux nécessaires de génie civil pour la viabilisation et la sécurisation de ce site, qui constitue la dernière demeure de l'un de nos pères fondateurs et un lieu de recueillement et de tourisme historique. Dans cet esprit, le président de la République a souhaité que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, entame des discussions avec la famille de l'illustre disparu en vue de la création d'un musée privé dédié à sa mémoire. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réforme des licences master et doctorat dans l'enseignement supérieur, communément appelé LMD. Saluant la pertinence des réformes annoncées dans le cadre des résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, le président de la République a évoqué quelques contraintes relatives à la mise en œuvre progressive du système LMD. La généralisation de ces systèmes nécessite que soient réunis certains préalables incontournables en termes de textes réglementaires, de renforcement de capacité des ressources humaines et des infrastructures, afin de garantir l'efficacité attendue aussi bien du personnel enseignant et administratif que des étudiants, principaux bénéficiaires de cette réforme. Tout en poursuivant l'élan de la préparation du système LMD, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a été invité à procéder, dans un bref délai avec le concours de parties prenantes, à une évaluation minutieuse de l'état de ses préalables. Les ministres en charge de la recherche scientifique, de postes téléphones et télécommunications, du numérique, des infrastructures et travaux publics, du budget et des finances, ont été invités chacun en ce qui le concerne à s'impliquer activement pour accompagner et soutenir le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans ses processus d'évaluation et de mise en œuvre recommandés. Un rapport de cette évaluation est attendu dans les prochains jours. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la mise en place d'une gestion rationnelle des dépenses publiques. Considérant d'énormes attentes de nos populations et l'urgence d'y répondre, le président de la République a recommandé dans le cadre de l'exercice du budget pour l'exercice 2022 le respect des engagements des dépenses en fonction des allocations budgétaires prévues et disponibles. Insistant sur le passage vers une budgétisation programmatique, il a souligné que cela implique dans les chefs de tous les gestionnaires de crédit la culture de la gestion axée sur les résultats par la performance dont les marqueurs reposent sur la discipline budgétaire. Cette dernière devrait être caractérisée dans la programmation des dépenses publiques par les principes d'efficacité et d'efficience qu'encadre le plan d'engagement budgétaire ainsi que le plan des trésoreries. À cet effet, le président de la République a chargé le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances de mettre en place un dispositif permanent au cours de cet exercice budgétaire. L'appurement dans la chaîne d'exécution des dossiers des ministres sectoriels régulièrement engagés et liquidés, ce qui implique une meilleure coordination
et un partage quotidien des informations sur l'état de la trésorerie entre les deux ministères. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la mise en œuvre du projet KIN Emploi par le ministère de la Formation professionnelle Arts et Métiers. En vue de relever le faible taux d'intégration de jeunes dans le marché de l'emploi dans la ville-province de Kinshasa, le président de la République a rappelé que l'atteinte des résultats assignés à ce projet, fruit du partenariat entre le Royaume de Belgique à travers l'agence belge de développement ENABEL, est un enjeu crucial en raison notamment du nombre d'emplois projetés, la formation à l'auto-emploi et l'incubation de l'entrepreneuriat. La construction d'un centre de ressources multiservices à Kinshasa, zone d'intervention du projet, est l'une des composantes de ces derniers. Ces centres permettraient de faciliter l'adéquation formation-emploi, la collaboration avec les entreprises environnantes et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le président de la République a demandé au Premier ministre de s'assurer que toutes les dispositions sont prises au niveau du ministère concerné, notamment le ministère de la Formation professionnelle Arts et Métiers, enseignement primaire, secondaire et technique, à l'effet d'accélérer la concrétisation de ce projet. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur le contraint dans la mise en œuvre du projet PERS. Le président de la République a rappelé au Conseil que le projet d'équité et de renforcement du système éducatif, PERS en sigle, poursuit l'objectif de réduire les fardeaux de frais scolaires sur les foyers et améliorer l'accès à l'enseignement primaire et renforcer les systèmes éducatifs. Il est financé par la Banque mondiale et couvre 10 sur 26 provinces. Au regard des difficultés qu'il rencontre notamment par le manque de représentation des banques dans les zones indiquées, du coût supplémentaire que génère le recours palliatif aux messageries financières, le président de la République a chargé le ministre des Finances et celui de l'EPST de régler cette question en urgence en vue de garantir la bonne exécution aux besoins en réorientant la domiciliation de ressources du projet PERS auprès des institutions qui réunissent les critères de couverture géographique du pays. Il a conclu son propos en exigeant un rapport circonstancié dans les jours qui viennent. Intervenant dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a tenu de prime abord et de manière ferme à réitérer le soutien du gouvernement au président de la République, chef de l'État, dans sa quête permanente pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la défense des intérêts supérieurs de la nation. Il a martelé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour décourager toute velléité des natures à saper notre processus démocratique par une quelconque forme de déstabilisation, que ce soit des institutions de la République. Le Premier ministre chef du gouvernement a aussi saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour le travail abattu avec brio durant son mandat à la tête de l'Union africaine qui s'est terminé le 5 février 2022 avec le passage du flambeau à son homologue du Sénégal et sa désignation à l'unanimité en tant que champion africain contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Il a clôturé son propos en informant le Conseil de ministres que la nation tout entière a rendu hommage ce vendredi 11 février 2022 au Stade Vélodrome à nos compatriotes victimes de la catastrophe survenue à la suite de la rupture d'un câble de haute tension à Matadi-Kibala dans la commune de Bongafula à Kinshasa le 2 février dernier. Outre la prise en charge humanitaire et l'assistance en faveur de familles éprouvées, le gouvernement a mis en place une commission chargée de faire un état de lieu complet sur la problématique de la sécurisation des servitudes de lignes de haute tension de la Société nationale d'électricité SNEL. Dans la même perspective, le Premier ministre a rappelé qu'une autre commission avait déjà été mise en place pour travailler à la délocalisation et à la modernisation du marché des Matadi-Kibala. Les conclusions sont attendues dans le prochain jour. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, point 1, État et administration du territoire. L'état du territoire national, présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières,
reste généralement calme sur toute l'étendue du pays, en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans la partie est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. La police nationale congolaise poursuit également les opérations de lutte contre toute forme de criminalité dans les milieux urbains. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par des commentaires en sens divers à l'issue de la décision de l'Organisation internationale de la francophonie reportant de quelques mois l'organisation des Jeux à Kinshasa, la participation du président de la République au sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba en Éthiopie où il a passé le flambeau à son homologue sénégalais, et les commentaires après les décès de 25 de nos compatriotes au marché de Matadi Kibala le 25 février dernier, ainsi que par l'interpellation du conseil spécial du chef de l'État en matière d'insécurité, ainsi que sur la mise au point qui a été faite par la présidence de la République à ces sujets. Le vice-premier ministre a aussi fait le point de la situation sécuritaire dans quelques provinces. Toujours sur ces chapitres, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant pour sa part a fait le point de la situation sécuritaire qui demeure globalement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a indiqué que les opérations conjointes entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais se poursuivent normalement. Les bombardements et actions offensives ont aussi été engagés en Ituri contre les positions terroristes ADF-MTM et leurs supplétifs, où ils tentaient de trouver refuge à la suite de la pression militaire qu'ils subissent dans les territoires de Beni, frontalières à cette partie du pays. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a aussi informé le Conseil de la neutralisation de 23 terroristes et ADF-MTM par notre armée le 9 février 2022 entre les villages Makusa et Makumu situés à 20 km au nord-est de Manguina. L'armée loyaliste qui a pris l'ascendant sur l'ennemi de la paix occupe désormais les principaux bastions de ces terroristes qui ont longtemps sémé la terreur dans cette partie du territoire national. Toujours sur ces chapitres de points d'information, cette fois-ci concernant l'évolution et la situation de l'épidémie à COVID-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté l'état de lieu de la pandémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. Il a indiqué que depuis 3 semaines consécutives, nous enregistrons une régression continue du nombre de cas rapportés ainsi que les nombres d'hospitalisations. C'est aussi, a-t-il insisté, la première fois que la pandémie à COVID-19 régresse de façon simultanée entre Kinshasa et les autres provinces, et ce, grâce à une prise en charge appropriée du gouvernement et par les campagnes de sensibilisation qui se mènent au travers le pays. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a attiré l'attention du Conseil sur le fait que l'analyse des données de 2 premières années passées renseignent clairement que la saisonnalité du coronavirus dans notre pays se situe au milieu et en fin d'année, ce qui indique la probabilité d'une 5e vague entre le mois d'avril et juillet prochain. La population est ainsi appelée à rester vigilante, à porter le masque, à observer la distanciation sociale, à se laver les mains et à se faire vacciner pour lutter efficacement contre cette pandémie. À son tour, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a présenté la situation des travaux réalisés sur financement du Trésor public et en partenariat public-privé avec l'appui de certains bailleurs de fonds pour la réhabilitation de certains axes routiers dans la ville-province de Kinshasa. Le Conseil a pris acte de progrès réalisés. Au sujet de l'état d'avancement des préparatifs de 9e Jeux de la francophonie, le ministre de l'Intégration régionale a présenté au Conseil la situation sur les avancées qui ont été enregistrées dans le cadre des préparatifs de 9e Jeux de la francophonie, tant au plan financier, infrastructurel qu'organisationnel. Il a aussi rendu compte de la réunion du Conseil permanent qui s'est tenue par visioconférence le 8 février 2022 et qui a décidé du report de 9e Jeux à Kinshasa pour le mois de juillet 2023. Le ministre de l'Intégration régionale a souligné que ces reports
n'est nullement objet ni de manque de capacité organisationnelle, encore moins de la volonté politique des autorités congolaises. Il est plutôt motivé par les soucis d'améliorer davantage les conditions d'organisation. Ces moments doivent être mis à profit, notamment pour une meilleure préparation de nos athlètes qui doivent compétir et remporter de titres à l'occasion de cette compétition. À son tour, le ministre de la Solidarité a présenté au gouvernement le programme d'urgence intégrée des développements communautaires. Faisant suite à la recommandation du président de la République, chef de l'État, au cours de la 35e réunion du Conseil des ministres tenue le 7 janvier 2022, les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a présenté au Conseil les trois axes du programme d'urgence intégrée des développements communautaires en sigle PUIDC. Il s'agit respectivement de l'appui à l'industrialisation de proximité des filières à grand potentiel d'amélioration de moyens d'existence à la base, l'appui à la création d'une masse critique de compétences de jeunes à travers le développement des métiers innovants, et enfin, l'appui à la gouvernance communautaire. Visant l'amélioration des conditions de vie de population dans les 26 provinces, particulièrement au niveau des entités territoriales décentralisées et T2, le programme d'urgence intégrée des développements communautaires a été validé le 30 décembre 2021 par le parti prenante, réuni dans un atelier qui s'est tenu à Kinshasa, et l'approche programmatique approuvée prévoit une mise en œuvre par phase. En ce qui concerne la première phase, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a indiqué que certains partenaires ont déjà manifesté leurs engagements pour son financement estimé à 1,8 milliard de dollars américains. En vue de confirmer les engagements de ces partenaires et d'assurer la mobilisation effective du financement de cette première phase, en vue de déclencher la mise en œuvre rapide du programme conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, une conférence internationale est annoncée pour ce premier trimestre de l'année 2022 avec le financement déjà rendu disponible par la Banque africaine de développement. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Au chapitre 3, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 39e réunion tenue le vendredi 4 février 2022 dernier. Au quatrième point, inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce vendredi, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, trois dossiers ont été soumis à l'approbation du Conseil. Le premier portant sur l'état des lieux sur les érosions en République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a présenté au Conseil la situation globale des érosions à travers le pays, partant des causes qui sont d'origine naturelle ou découlant de l'intervention humaine. Il a été mis en exergue les risques entraînés par les érosions, les cas critiques de Kinshasa et dans l'espace Kasaï récemment visité par le président de la République. Pour le cas de la ville-province de Kinshasa, les solutions passent notamment par les redimensionnements du système de drainage, la construction d'ouvrages appropriés, les financements de travaux de lutte anti-érosive, là où les érosions se développent afin de protéger les bâtisses menacées des destructions. Pour beaucoup de villes à l'intérieur du pays, il a été préconisé le lancement des études pour la construction des systèmes de drainage en tenant compte des bassins versants pour dimensionner les ouvrages requis. Par-dessus tout, les futurs lotissements devrait intégrer l'importante question de la gestion des eaux par une viabilisation préalable des espaces concernés. Considérant qu'aucune province n'a des moyens en propre pour faire face à ces fléaux, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, a attiré l'attention du Conseil sur la nécessité d'en faire une question gouvernementale. L'objectif étant de décider des ressources allouées à cette action d'envergure et de leur programmation dans le temps afin d'obtenir des résultats satisfaisants et mieux protéger nos populations de ces dangers. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Les deuxièmes dossiers apportés sur la participation de notre pays à des réunions à caractère régional et international du secteur de transport. Le ministre des Transports,
voie des communications et des désenclavements, à informer le Conseil des réunions et séances de travail à caractère international et régional auxquelles la République démocratique du Congo a pris part à travers son ministère. Pour chacun de ces multiples rencontres, il a pris le soin de retracer un bref aperçu sur l'organisation concernée, le cadre et la portée de la réunion, les objectifs, les participants, l'ordre du jour, ainsi que les déroulements de travaux et les résolutions subséquentes, ainsi que des recommandations. Au regard des enjeux diplomatiques qui représentent les différents programmes et projets envisagés dans le cadre de ces diverses organisations régionales et internationales, le ministre a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour tenir le rendez-vous contraignant face à d'importants intérêts stratégiques de notre pays qui sont mis en jeu. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ces dossiers. Dernier dossier soumis à l'examen du Conseil des ministres de ce jour, relatif au développement et au déploiement d'un système spatial performant d'observation. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a informé le Conseil de la nécessité pour la République démocratique du Congo d'acquérir un satellite d'observation de la Terre devant assurer la surveillance et la maîtrise de la vaste étendue de notre pays, qui pourra s'appeler RDC-SAT. Cette acquisition, qui devrait se faire au travers l'établissement d'un partenariat public-privé avec l'établissement public à caractère scientifique et technologie dénommé Centre national de télédétection, offre à notre pays plusieurs avantages. Du point de vue économique et financier, par exemple, la République démocratique du Congo pourra attirer des investissements qui devront se traduire par la création des emplois et une contribution significative au budget de l'État au moyen des diverses taxes relatives aux 10 investissements. Sur le plan sécuritaire, RDC-SAT aidera notre pays dans la gestion efficiente de ses frontières, particulièrement celle de la partie Est qui est confrontée à des forces négatives de tous bords et ce depuis plusieurs années. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a aussi présenté au Conseil le projet de partenariat avec une structure internationale réputée qui permettra la concrétisation de ce projet. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté par le Conseil des ministres. Dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. 7 textes ont été soumis à l'approbation du Conseil. Le premier, projet d'ordonnance loi relative à l'autorisation de la prorogation de l'état de siège. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentée par son vice-ministre, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours les 19 février 2022. Cette prorogation permettra à nos forces de défense et de sécurité, appuyées par l'armée ougandaise, de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre des opérations d'envergure en vue d'anéantir totalement les forces ethnies dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'ordonnance-loi. Le ministre des Finances a soumis au Conseil 4 projets d'ordonnance-loi pour leur délibération. Le premier a porté sur l'autorisation de ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique signée à Kinshasa le 18 juin 2021. Il a expliqué que tout l'objectif de cette coopération ne vise que l'amélioration du niveau de vie de population à la suite du financement des activités du secteur privé congolais et le renforcement des relations entre notre pays et les États arabes. Le deuxième projet d'ordonnance-loi a concerné l'autorisation de ratification de l'accord de crédit pour un financement additionnel de 100 millions de dollars américains comptant pour la préparation stratégique et réponse à la COVID-19. Cet accord a été conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement le 17 juillet 2021. Le troisième projet d'ordonnance-loi se rapporte à l'autorisation de ratification de l'accord de prêt d'un montant de 71 millions de dollars américains pour financer le programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandajika Prodan. Il a été conclu le 25 novembre 2021 entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement.
Le quatrième et dernier projet d'ordonnance-loi présenté par le ministre des Finances a concerné l'autorisation de ratification de l'accord de prêt de 50 millions de dollars américains au titre de projet de réhabilitation de la voirie de Kinshasa, deuxième phase. Cet accord a été signé le 25 novembre 2021 entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ces quatre projets de loi d'ordonnance. À son tour, le ministre du Commerce extérieur a présenté au Conseil le contenu des deux projets d'ordonnance-loi. Il s'agit d'abord du projet d'ordonnance-loi autorisant la ratification de l'accord commercial bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie signé le 6 août 2015. Il se justifie par la nécessité d'une intensification coordonnée des relations commerciales entre nos deux pays en vue de contribuer à leur développement économique respectif et à la consolidation de la zone de libre-échange tripartite COMESA EAC-SADC. Ensuite, le projet d'ordonnance-loi autorisant la ratification de l'accord commercial entre le gouvernement de la République d'Angola et le gouvernement de la République démocratique du Congo, signé le 29 octobre 2021. La mise en œuvre de cet accord vise l'intensification et la diversification des relations commerciales dans le but de stimuler leur croissance respective, de développer leur secteur privé commun et de promouvoir la promotion commerciale entre les deux pays. Après débat et délibération, ces deux projets d'ordonnance-loi ont aussi été adoptés par le Conseil des ministres. Commencé à 13 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17 h. Je vous remercie.